Depuis au petit autant des fanatiques argentins et fanatiques brésil à goumé dans question football. Ou quoi qu'on goûte bas à ce dit? Si vous pensez que c'est seulement haïtien qui a goumé pour bagaille ça, qu'on a trompé. C'est pour bagaille qui simple du tout, non? Non, il sautit loin. Loin en dehors de football. Mais comment ça fait arriver? Qui est-ce qui commence bagaille ça? Et pour qui ça? Ensemble, nous allons lire un gros livre. On a l'air. Une plus bonne façon qu'à supporter le travail ça, c'est l'offre ton like sur la vidéo. Et l'offre ça, il fait qu'on bat fort. Bonjour, bonsoir internet, comment nous y est? Moi, il est Christian Lolle. Puis gros plaisir, c'est le map d'informer. Et ça fait un plus content, c'est le ou dim qui sont pensés de travail ça. Pas oublier, ou que tout droit pour faire correction, dit ça ou penser comme on voulait pour travailler la fête. C'est un somme n'a pas fait. En tout temps, vous êtes partagé? Non, regardez-moi votre conversation. Faites-le, Kounia. On fait l'ensemble. Moi, tout, je partage ensemble avec vous. Parce que faut que l'émission touche plus pour nous. Bon, Kounia, on regarde qui côté Goumé ça a sorti entre fanatique Brésil et Argentine dans la question football. Regardez bien. Entre Brésil et Argentine, tu es toujours un gros Goumé. Pas dans la question football, non? Mais plutôt, vous boutez ça que vous avez gardé là. Vous voyez, vous boutez ça aujourd'hui à qui paye il y est. Goumé ça, son goumé qui pas petit du tout. Mais, en 1821, Brésil annexé territoire ça. Yore l'el Provincia Cispratina. Tenez bien. Brésil a frappé l'estomac, ouvert le corps parce que il prend territoire, Argentine pas qu'à vite monter là. Et vrai? Hey! Le 19 avril 1825, bon groupe nationaliste qui a été les 33 orientaux. Next, ça a été dans la tête, il y a un gros taureau qui a été le Juan Antonio. Monsieur est débarqué sur une plage qui est la Agraciada. Mes amis, goumé pété. Goumé, ça a été tellement miel. Brésil perdu un paquet de soldats et il dit, nous pas continuer la question Goumé ça. La baye vague. Goumé en fait 3 ans. Il finit le 28 août 1828. Attendez, oui. Après Brésil, fin baye vague. Ça bizarre la question. Hein? Ni Argentine, ni Brésil paraitent à territoire. Mais plutôt, un nouveau pays créé. Et pays ça, c'est lui-même jour aujourd'hui qui est le Uruguay. Et vous pouvez recommander ce qui son bagage qui est drôle. Vous pouvez recommander ce qui a fait sortir, il rentre dans la question football d'après un pile historien. Bon, Uruguay prend des sens. Kounia, on quitte la question politique là parce que Brésil, Argentine, dans le moment où on a parlé là, c'est cocotte avec Figaro dans la question politique. D'ailleurs, Brésil, Argentine, Uruguay, peut-être ensemble, ils ont créé Mercosur. Bon, là, ou déjà qu'on est, bagay la résoudre malgré dans le temps, Brésil et Argentine tellement qu'on n'a goumé, ils étaient même arrivé à un moment donné, ils étaient coupé relations diplomatiques. Mais, journée aujourd'hui, bagay ça fini. Dans la question football, qu'on y a, regardez bien. Ou est-ce qu'on est destin drôle? Dans la question Coupe du Monde, Brésil, Argentine et Uruguay, c'est le seul pays dans la région qui gagne la Coupe du Monde déjà. Mais oui, et ça drôle là encore. Dans la question Copa América, il y a une plus grosse compétition dans la question football dans le monde. Là, là encore, Brésil, Argentine et Uruguay, c'est eux qui ont pavoisé. C'est eux qui ont plus de trophées. Mais qu'on y a pour comprendre qui côté Goumé ça a sorti entre le Brésil et l'Argentine, donc disons, fanatique, il faut regarder bien. D'après spécialiste, depuis 1914, deux équipes ont toujours presque dans le même niveau dans la question. Match, quel était match amical ou bien quel était l'autre match officiel. Ça vient faire que le fait que des équipes sont presque dans le même niveau, Brésil toujours est une pigo rival que le gagne, c'est l'Argentine. Même gens pour l'Argentine. Et en plus, faut ne pas oublier, Brésil et Argentine, c'est deux pigo équipes dans le monde. Là. Ça vient faire deux équipes, ça n'a pas jamais pas dans le top 10 FIFA. Et là, ça, challenge cap continue. Fanatique, toujours, non, râler ici, râler l'autre bord.
Le nous garder dans question match yo, là c'est pas Brésil qui gagne, c'est Argentine qui gagne. Là c'est pas Argentine qui bat, c'est Brésil guerre parce que équilibre qui gagne entre nombre de matchs Brésil bat et nombre de matchs Argentine bat, il vraiment semblé. Mais on l'autre problème. Bon côté Argentin yo, yo un petit jeu, un petit sens pas trop aimer mon noir, vous comprenez, pas veut dire n'importe quoi. Bagala t'est tellement arrivé loin. Parfois il y a trip sous brésilien yo. Il y a pas m'aider, il y a dit des paroles que me pas veut répéter. Mais brésilien yo même leur agent yo a trip sous yo, yo fier pour yo montrer les somaque pour yo dire ah nous même nous gagne 5 étoiles. À l'époque agent yo te gagne 2 mais qu'on y a yo gagne 3. Mais malgré ça, brésilien yo toujours a frappé l'estomac pour dire hey, même gagne 5 étoiles. Bon respectez. Mais question pas aimer mon noir ça, agent yo yo joine yo yo prend ça parce que yo même yo considérer tête yo tant coup européen. Yo même qu'on dit brésilien yo en pile là yo c'est en Afrique yo t'es sorti pour travailler au Brésil et l'autre yo c'est petit indien que vous comprenez son bail qui était on chi répit qui ont tige long. Mais faut pas oublier Brésil était colonisé par les Portugais et Argentin yo même yo était colonisé par les Espagnols, c'est toujours européen yo. Sauf que réalité histoire Brésil par rapport avec racine est différent de Argentin yo. Je pas prêt à poser ça trop. Mais femme du tout, malgré tout ça, sponsor yo et ni FIFA remet challenge qui gagne entre fanatiques brésiliens et fanatiques argentins yo, parce que ça permet yo kebe football là nous l'autre niveau. Le bon match qui a joué, pas mal de bon Dieu, c'est à Brésil et Argentine qui a joué, bagarre la chauffer. Malgré ça, qu'on a un gros dérapage entre fanatiques. Pas entre jeunes, mais entre fanatiques. T'es un gros journal dans le pays argentin qui est le Olé, qui t'est sorti un journal qui traitait joueur brésilien de macaque. Bagay ça, t'es la cause gros tolé. Ça t'est même fait, t'es un match amical Brésil, t'as pas joué la caille Argentine, y'a t'es même joueur yo. Parce que là, ça t'a dit trois joueurs noirs dans l'équipe brésilienne. Je t'ai dit, on va pas jouer. Ça t'a fait que l'équipe argentine est obligée de jouer à moins 3 pour match. C'est une situation qui toujours créé des équilibres entre deux équipes. Mais ça, lui-même, lui plus fait en Argentine et puis au Brésil. Parce que c'est l'Argentine qui toujours baille des attaques. Mais fanatique, eux-mêmes qui toujours abgoumé. Yo pa ale nan sens sa trop parce que on dit haïtien pa ta ka rentrer dans logique pareil mais moun noir li pa comme ça. Le c'est fanatique k'ap goumen par exemple en Haïti. Peu importe jugement ou ta kapote de Argentine ak Brésil ou doué songer que c'est deux pi gros équipes nan monde là. Mais nan question ko pa America, Argentine ak Uruguay bat. Mais oui, parce que yo chaque yo même gen 15 trophées, Brésil gen seulement 9, ou est côté destin encore vin fait 3 pays sa yo même côté. Nan Copa América, c'est yo et nan Coupe du monde encore, c'est yo. Donc Brésil, Argentine, Uruguay gen les condamnés pour yo pour yo vivre ensemble. Bon, de toute façon, challenge nan malgré li fort au niveau fanatique, yo toujours gen goût mais parfois on y moun mouri, mais au niveau joueur yo pas jamais gagné gros désordre malgré qu'on ait petit chirépit mais toujours bon contrôle. Si on sorti depuis dans Pelé, Maradona pour arriver dans Messi, Neymar, on comprend que relation joueur toujours contrôlé. Mais fanatique yo même c'est toujours goumé. Bon, moi on va aller frapper sur internet là yo dit Brésil te gagne plusieurs dans couple yo, c'était quelques bouts de fer yo pas de bon coupe, c'est coupe Argentine yo pire ça. Donc Jean de Barra ça il a longtemps. Et c'est sûr et certain, la place pour un bon temps encore, tout autant équipe yo, yo rete nan même niveau, concurrence temps, la toujours là. Sauf que, pas oublier, football c'est compétition, attention ou même pour pas prendre bagarre à trop personnel, pour pas algoumer à moun qui en face.